Salut à tous les gars, ça gaze ou quoi? Il y a deux caméras là et là. Ça va ou quoi? Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En ce jour de confinement, on s'occupe comme on peut. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec mes chats, tester un peu leur intelligence et tout. Alors ouais, je sais, il y a plein de monde qui ont fait ce genre de concept, mais bon, voilà, on s'occupe comme on peut. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non. Du coup les gars, je disais, attendez, je suis obligé de parler là parce qu'en fait le micro il est juste là. J'ai trouvé une technique pour que vous m'entendiez assez comme j'ai pas encore, enfin j'ai pas, j'ai perdu mon micro-cravate. Le concept, on devra tester l'intelligence des chats, de mes deux chats. Donc il y a Perle, hein, et l'autre qui s'appelle Eric. Non je déconne, c'est pas Eric. En vrai il a pas vraiment de nom parce que... On l'appelle le chat, Chacha plutôt, Chacha, on l'appelle Chacha, voilà, point final. Donc Perle, Vess, Chacha. Donc je vous les présente les gars, c'est ces deux bébés là. Alors ça c'est la grande et ça c'est la petite. Donc les gars, c'est parti, on commence directement avec le premier test. C'est parti. Exercice 1. Cet exercice vous permettra de voir si votre chat sait répondre à un ordre simple et réagir rapidement. Appelez votre chat pour le repas, comme vous avez l'habitude de l'appeler. S'il vient vous voir dans les 30 secondes, c'est 2 points. S'il vient dans la minute, c'est 1 point. Ou alors s'il ne vient pas du tout, c'est 0 point. Bon bah les gars, je suis dans la merde. Alors du coup c'est parti, top chrono. Qui va venir en premier? Perle. Elle est déjà là, bah elle est déjà là parce que c'est une morphale. Donc toi, ça fait en 3 secondes, hein, super, on adore, check ça. Donc 2 points pour Perle et 0 pour Chacha. Ok, petit break. Si vous n'avez pas compris pourquoi le gros chat a 0 points et que la petite a 1 point, c'est tout simplement parce que j'appelais à ce moment-là les deux chats, non pas un. Et ce sera le seul exercice où je testerai les deux chats en même temps. Les autres exercices, je testerai leur intelligence, chacun leur tour. J'espère que vous m'avez compris. Deuxième exercice, les petits refs. Exercice 2. Cet exercice permet de tester si votre chat arrive à réfléchir suffisamment pour se sortir de situations inconfortables. Recouvrez la tête de votre chat d'une serviette. S'il s'en débarrasse en 30 secondes, c'est 3 points. S'il s'en débarrasse en moins de 2 minutes, c'est 2 points. S'il essaye mais n'y arrive pas, 1 point. Ou alors, il n'essaye pas, c'est 0 point. On va commencer avec elle. Mets-toi là. 1, 2, 3. Il est pourri ou quoi? Mais non, mais tu t'enroules là. Elle a rien compris, elle s'enroule. Mais oh là 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 là. Ça fait combien de temps là? Déjà ça fait plus de 30 secondes. Elle fait n'importe quoi, elle fait pire que mieux. Ça me tue de rire. Arrête, arrête, c'est le micro ça. Ah bah t'as réussi! C'est bien mon bébé! Donc les gars, elle a réussi en moins de 2 minutes. Donc c'est 2 points pour le chat. Donc maintenant on va essayer avec Perle. Hein. Mais arrête de pleurer, ça sert à rien, c'est juste un petit test d'intelligence mon bébé. Par contre elle est super rapide. Du coup 2. J'ai pas réussi. Yo. Mais non, on dirait que je la capture, oh la pauvre. Mais viens. Yo. Allez c'est parti, top chrono. Allez débat-toi. Débat-toi Perle. Entre Chacha et toi ça fait 2-2. Allez! T'es la plus petite, tu devrais être moins conne que l'autre. C'est trop drôle, c'est trop drôle, c'est beaucoup trop drôle. Viens ici. Bon les gars, je crois qu'elle est morte, hein. Tu vas pas me dire qu'elle arrive pas quand même à sortir. Ah, ah, ah. Elle emmène la couette. Ah, bah t'as réussi. Elle a réussi, les gars. Par contre, je sais pas si ça fait moins de 2 minutes ou 1 minute. Donc, du coup, ça fait 2 points chacun. Un pour Chacha et un pour Perle. Du coup, voilà. Alors, on passe maintenant au troisième exercice, les gars. Je sais pas ce qu'ils font. Ils se poursuivent. Regardez ce qu'ils font. À la bagarre là, c'est sûr. Troisième exercice les gars, c'est parti. Exercice 3. Celui-ci permet de démontrer la capacité de votre chat à utiliser ses sens afin de trouver la nourriture. Placez une friandise sous la serviette et observez en combien de temps il va la chercher. S'il y arrive en 30 secondes, c'est 3 points. S'il arrive en 1 minute, c'est 2 points. Il essaye mais n'y arrive pas, 1 point. Il n'essaye pas, c'est 0 point. On est plutôt mal parti, moi je vous le dis. Franchement, c'est des flemmards tous les deux. Du coup, on est vraiment plutôt mal parti. On va déjà mettre la serviette comme ça. Mais what the fuck, je suis où là? De toute façon, ici, c'est sûr, ils me verront pas. Donc là les gars, j'ai la friandise, hein, j'ai la friandise dans les mains. On va commencer avec qui? Perle ou Chacha? Vas-y Perle. Non. Du coup, je lui montre. Tu l'as senti? Tu la vois? Viens. Viens. Vas-y.
là. Mais qu'est-ce qui me chante encore celui-là? Allez, cherche. Regarde, elle est là. Regarde, regarde par terre. Elle l'a vu. Hop, vas-y. Vas-y, je promets, je fais rien. Vas-y. Mais non, mais viens. Vite. Allez. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde. Allez hop, je m'en bats les couilles. Elle s'en bat les couilles. Regarde. Mais t'es con comme chat, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça fait... Mais t'essayes même pas. T'essayes même pas, tu l'as vu, regarde, elle est là. Mais tu regardes même pas, regarde. Là. Là. Allez, fais-le juste même si t'arrives pas. Oh putain. Hop les, je pose mon cul. Bah alors, elle, si déjà elle veut pas, bah alors l'autre, ce sera catastrophique, les gars. Ce sera catastrophique comme jamais. Bah perle, je crois que t'as ta réponse, hein? Ouais, alors? T'attends devant comme si c'était la grosse fiesta. Du coup, c'est 0 points. Bon, maintenant, on va essayer avec le deuxième chat, avec Chacha. Chacha, viens ici, tu vois? Elle est là. Essaye. T'es con, mais c'est pas possible, j'ai des chats, c'est des handicapés internationaux. Mais est-ce que vous êtes tous les deux cons, quoi? Allez, il y a le chrono, regarde. Viens, il est là. Putain, mais toi, t'essayes au moment, c'est pas à toi, t'es vraiment un chien. Eh, vous êtes des handicapés internationaux, c'est pas possible, les gars, vous êtes des trous du cul. Mais... Allez, vite, là, il n'y a plus beaucoup de temps. Vas-y, enlève la serviette. Ouais. 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 C'est top. Elle a tapé le chat. Enlève avec ta main, avec ta patte. Allez. Oh putain. Allez. Mais elle est juste en dessous, elle est là. Tu la sens en plus, allez. Vous êtes incroyable les chats. Vous êtes incroyable. Incroyablement con par contre. Allez, essaye. Je suis sûr qu'elle va le faire. Elle va le faire. C'est une grand-mère, mais elle va le faire. Elle doit avoir, en vrai, en âge humain, c'est 70 ans. Comment ça, 70 ans? Tu n'exagères pas un peu, là? Bah, je crois que le chrono, il est fini, les gars. Bon, on a eu la réponse. Elle s'en bat totalement les couilles, elle va s'allonger, là. Non, elle s'assoit, tranquillement. Putain, et les gars, vous êtes vraiment pas sympas. Elle était là. Le premier qui l'attrape, il a gagné. Toi, t'as 0 points, et toi, t'as essayé, t'as 1 point. C'est bien, mon chacha. Toi, t'es la bonne, toi. Toi, t'es celle que j'ai choisie, hein. On passe au quatrième exercice, c'est parti. Exercice 4. Pour savoir si votre chat est capable d'avoir des interactions avec vous au niveau du jeu, lancez-lui un jouet. S'il le ramène en 30 secondes, c'est 3 points. S'il le ramène en 2 minutes, c'est 2 points. S'il va pas le chercher, mais ne le ramène pas, 1 point. S'il ne va pas, c'est 0 point. Je vais prendre une boîte de Smarties, les gars. Je sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais bon. Tu vas chercher ce jouet. C'est parti. Ok, bon. T'as fini? Alors, du coup, parlez-nous. Elle a eu 3 points, les gars. Oh, mon bébé. 3 points. C'est bien, mon bébé. Par contre, les gars, franchement, elle s'en bat les couilles totales. Faut la réveiller. Réveille-toi. Je suis réveillé. Alors là, ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Regarde. Alors, tu vois ça? Tu vois ça? Eh? Je vous dis, c'est mal parti. Avec elle, c'est mal parti. Elle s'en fout, c'est une grand-mère. Bon, les gars, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. Ah non, il y a encore un cinquième exercice. Le cinquième et dernier exercice, les gars. Exercice 5. Placez 3 gobelets à l'envers. L'un d'eux contenant la fameuse friandise. Sortez de la pièce avec votre chat environ 30 secondes. Et quand vous revenez, voyez le temps qu'il met à marquer le bon gobelet. Il le marque du premier coup en moins de 2 minutes. C'est 2 points. Il le marque en moins de 2 minutes, mais il a marqué d'autres gobelets avant. 1 point. Il ne le trouve pas ou ne le cherche pas. C'est 0 point. Les 3 gobelets, je les ai là. 1, 2, 3. Évidemment, c'est la petite qui vient. Du coup, je sais pas si on va sortir parce qu'en fait, bah c'est dehors. Du coup, je prends une friandise. J'ai une idée, on va juste s'écarter un peu. On va se tourner vers le mur. Du coup, regarde. Ferme. Ferme. C'est même pas perle, c'est le gros chat qui vient. Regarde. Viens. Viens. On va essayer avec le gros chat. C'est parti, top chrono. Voilà, hop. Tu l'as mémorisé, c'est bon? C'est quel gobelet? Allez, viens. 30 secondes. 1, 2. Est-ce
Est-ce que tu te souviens d'où elle est? C'est impressionnant. Ils sont cons, mais comme des balais. C'est... Elle va là-bas alors que c'est même pas là que tu dois aller. Réfléchis deux secondes, sérieux. Vous êtes catastrophiques. Les gars, je suis désolé, hein. Franchement, vous aurez pas de pouce bleu. C'est sûr à 100%, les gars. Ouais, bah c'est mort, hein. Bon, vas-y, tu sais quoi? Tant pis. C'est 0 point pour le chat. Maintenant, on va essayer avec Pearl. Il y a plus de chance, mais bon, on sait jamais. Mais ah, wow, comment elle fait trop la victime aussi. C'est ouf, je fais même pas mal. J'adore les chats. Enfin, j'adore les animaux, quoi. Elle fait. Je vous jure, hein, vraiment. Je lui fais pas mal du tout. Hein. Elle fait juste. Voilà. Oh, elle prend les friandises. Je vais peut-être en mettre plusieurs, ça marchera peut-être mieux. Regarde, viens. Viens. Mais putain, mais t'es con, quoi. C'est pas possible. Putain, mes mains en plus, ils pullent les croquettes de chat, là. Tu me casses les couilles, va là-bas. Non. Ils se mettent à deux à manger une croquette. Mais venez, là, putain. C'est chiant, les gars. Ok, donc voilà. Là, tu les as vus? Ok, maintenant. Hein? Arrête de mordre, 10. Est-ce que tu te rappelles? C'est quel gobelet? Et même moi, je sais même plus c'est quel gobelet. Je sais même plus c'est quel gobelet, gros. Ah, c'est celui-là. Ah, mais du coup, j'ai tout niqué, gros, à la vue. Attends. Regarde. Hop, on va faire le truc, on va rattraper les choses. Oh, mec, quel bail. Les gars, c'est mort, hein. C'est mort. Vous êtes dead, mais vous êtes nul à chier, les gars. Franchement, vous êtes horrible. Vous êtes tout gaze, les gars, vous êtes gaze. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que ils en ont rien à foutre. Du coup, les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Les gars, franchement, dites-moi vos avis par rapport à mes chats. Est-ce qu'ils sont trop cons? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Franchement, soyez du même avec moi parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, les gars, c'est pas possible. Ok, elle est vieille, elle est âgée et tout, mais. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les refs.